Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment dupliquer l'arme spéciale de la map Fire by the Z. Alors bien entendu, pour la dupliquer, il vous faudra au moins un exemplaire de l'arme spéciale. Donc pour obtenir l'arme spéciale, soit vous la construisez, soit vous l'obtenez dans la caisse mystère, ou alors vous l'obtenez en réalisant des défis. Alors si vous ne savez pas comment construire l'arme, n'hésitez pas à aller en commentaire ou en description de cette vidéo, j'aurai mis une playlist avec tous les tutos de la map. Donc si jamais ça vous intéresse, allez y jeter un petit coup d'œil. Alors quand vous avez votre arme spéciale, vous allez pouvoir la dupliquer. Et je pense même que vous allez pouvoir la dupliquer en x2, x3, x4. Comme ça, si vous êtes 4, ben je pense qu'il y aura besoin que d'une seule arme spéciale pour la donner à tout le monde. Après, j'ai pas fait le test, mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça fonctionne. Alors pour réaliser le glitch, il vous faudra une arme normale, non améliorée, une simple arme que vous pouvez acheter au mur. Ensuite, vous allez avec votre arme spéciale au pack-a-punch, vous appuyez sur carré et en même temps vous appuyez sur triangle pour changer d'arme, et ensuite vous appuyez sur X pour améliorer la deuxième arme qui va se transformer en arme spéciale. Donc voilà, en soi c'est très facile à réaliser. Ensuite, ben, vous avez juste à acheter une arme pour faire tomber votre deuxième arme spéciale et la donner à un de vos potes. Ou alors, ben, vous la gardez et vous avez deux armes spéciales que vous pouvez toutes les deux améliorer niveau 3 et faire des manches avec les deux armes. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de ce glitch et j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.